Sur les transports, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot et il va falloir le faire. Et moi, je ne fais que entendre, prendre. Je suis une usagère aussi des transports. Et je pense, et c'est le choix qu'on a fait, on est transparent. On n'est pas en train de sauter comme des cabris en disant tout est facile, tout est prêt, tout est fini. Nous sommes des responsables. Pour moi, une responsable politique, des responsables de hauts fonctionnaires, Tony en tant que président du COJO, et on dit la vérité, et on y travaille. La particularité, c'est que nous, on ne se contente pas d'observer ou de dénoncer, mais qu'ensuite, on y travaille. Et que sur la question des transports, où il y a encore du boulot, évidemment, mais qui doit se faire et qui doit s'engager, c'est une part du sujet. La question de la mobilité durant les Jeux, elle, pour moi, elle ne me pose vraiment aucun problème. Aucun problème parce que nous avons voulu des Jeux compacts.